Houta, Chubbs, qui se qualifie dans les Neiges Noires, décidément du très très lourd. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs du canapé, Jason et Hardest, de ce dernier BO? BO Build Order. Ce dernier BO3. Je suis un peu déçu pour Marine Lord. Parce que je pense qu'il a perdu parce que... Je sais pas, c'était vraiment un mauvais jour. Il a pris des mauvaises décisions à la chaîne dans toutes ses games. Et... je sais pas, j'ai trop développé tout à l'heure. Clairement... Clairement, c'était pas forcément le niveau du Marine Lord qu'on attendait. Pour recentraliser ce que tu disais tout à l'heure et pour un peu t'aiguiller, parce que je vois à peu près ce que tu veux dire, c'est que tu nous disais qu'en fait, en règle générale, tu as trouvé que les réactions en fait, qu'ont appliquées Marine Lord par rapport au BO qui a été effectué n'étaient pas forcément les réactions, on va dire, les plus... les plus standards. Les plus adéquates. Adéquates, merci. Bon, parfait. Voilà. Adéquates. Et il n'y avait pas eu de proxy Rax. Il n'y avait pas le proxy d'Orax. Oui, ça t'a déçu. La mascotte. Ouais, ça m'a beaucoup déçu. C'est vrai. Et là, on passe du coup à la grande finale. BO5, ouais. Underdogs, NeOAnGeL contre Downfall. Downfall, clairement l'Underdogs de la situation. Je savais que ce serait bien d'utiliser ce nom d'émission, Anos. NeOAnGeL, Papy Crocodile, en finale. Est-ce que vous avez un pronostic, Hardest, par exemple, sur la prochaine rencontre NeOAnGeL Downfall? Et aussi sur le cas NeOAnGeL. Et sur le cas Downfall, quelque part. Moi, je vois bien NeOAnGeL gagner encore. Et tu connais Downfall, son style de jeu, tu sais... je ne l'ai pas joué souvent, je l'ai joué 2-3 fois seulement, parce que je ne joue pas beaucoup en EU. Il n'est pas mauvais. Mais je vois quand même NeOAnGeL gagner, parce qu'il est protos, donc... voilà. Ok. Les arcs, c'est dans les gènes. Non, on a un problème avec les protos, mec. Non, juste avec les colosses. C'est dans la larve, en fait, c'est... Bah. Moi, je pense que Downfall, il ne va pas tomber dans le même panneau que Marine Lord et il va vraiment juste développer son jeu et il va lui botter le cul 2-0. Allez, bon, peut-être il va perdre une map, mais il va gagner. Écoute, moi, je te rejoins. Je serais pas aussi vindicatif dans le 2-0 et dans le double cloquette à la Underdogs, mais... pensez à parler de la semaine prochaine, ça marche chérie, je suis plutôt d'accord. Moi je pense aussi que Downfall a réfléchi son jeu et que je pense que lui va bien lire dans NeOAnGeL et va pas aller s'empaler. C'est peut-être une erreur parce que tout dépend, c'est dans sa tête, mais moi aussi je vais dire Downfall, même si encore une fois c'est vrai que NeOAnGeL pour moi par favori. Bah après, il faut faire gaffe, hein, parce que NeOAnGeL, si on l'emmerde pas, c'est B3 8 minutes. À 12 minutes, il est 3-3 Storm Colosse carrière. C'est fini, quoi. Et c'est pour ça, parce que ça, je tiens à le préciser, et c'est pour ça qu'il joue bien NeOAnGeL, parce que, c'est vrai qu'on l'a plus dit en off-camp, mais souvent, NeOAnGeL, en fait, vous avez pu remarquer, hein, il a un jeu qui paraît assez passif dans un sens, mais voilà, à chaque fois, il reçoit bien, et après avoir reçu, il va toujours, bam, vous terminez. Mais c'est ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que pour autant, il a une très bonne lecture de jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire comme certains joueurs qui seraient des joueurs qui turtlent tout le temps et qui donc seraient toujours dans une philosophie très « t'as juste une B2, tu resterais enfermé ». Voilà, c'est pas vrai en fait, c'est plus profond que ça. S'il sent que tu vas pas attaquer, il sait très bien prendre une B3 très rapide et donc du coup optimiser le temps de jeu qui va arriver. Donc voilà, c'est plus profond que ça, c'est pas juste un joueur qu'on pourrait nommer de passif, c'est pas vrai. C'est un joueur qui joue dans son style de jeu, il a un style de jeu qui est plus dans la réception, mais pour autant il a une très bonne lecture de jeu et il va pas rester sur deux bases s'il sent que toi tu prends face B3 ou si nanana. Donc c'est vrai que attention, parce que pour autant, déjà jouer NeOAnGeL, ça veut pas dire faire face B3, le laisser tranquillement avec sa B2 faire sa popote et puis sortir avec 200 de pop. C'est pas vrai, lui aussi prendra B3 rapidement, je rejoins Jason là-dessus. Donc attention, parce que sur papier NeOAnGeL est favori. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses? Agression, et toi? Et toi alors? Qu'est-ce que tu penses de ça? En plus, je te montre du doigt comme ça. Moi, je ne sais pas. Je pense que le crocodile est en forme. NeOAnGeL, le guerrier crocodile qui se reste comme ça sous l'eau, avec ses deux yeux, comme ça, avec un léger strabisme. Et il attend. Et il attend. Et t'arrives et tu le poques, comme ça, tac, tac. Et puis il attend. Comme dans le Gladiateur, le serpent des mers, comme ça, quand t'as le mec complètement fêlé avec le... Ouais, je vois bien. Tu te laisses bouffer, et puis après, hop, tac, au testicule. Dernier moment. Et là, c'est fini. Donc, NeOAnGeL qui peut... il en a défié, il en a dessoudé des bons joueurs. Ouais. Downfall qui monte du très très lourd, mais sur des styles de jeu, je dirais, toujours assez orientés. Bio-ball, Ça, NeOAnGeL, il l'a bien compris. De toute façon, Marine Lord, comme tu disais tout à l'heure, il l'a bien reçu la bioball. Ready. Il a bien reçu la bioball tout à l'heure avec ses High Templars, par exemple, quand Marine Lord est arrivé en mode « j'ai 5 marines, 5 maraudeurs, ouais. Et ben ouais, j'ai 5 storms, bonsoir ». Donc, à mon avis, il peut se faire lire assez facilement. Après, peut-être que du coup, ça va forcer Downfall à faire autre chose. Et donc, du coup, ton pronostic? J'ai pas trop de pronostic. Je préférerais pas me prononcer. Mais si je devais, si on devait, genre si genre quelqu'un qui meurt, si 357, Dieu que pas la pompe. Je veux ton pronostic. Tu fais quoi? Et le fait qu'il ait écrit factice. Excellent. NeOAnGeL, je dirais, pour le côté crocodile. Toujours. Vicieux, un crocodile. On est donc de NeOAnGeL et de Downfall, la game qui est lancée, mais en effet, hein, je pense que NeOAnGeL est favori. Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en disant Downfall, pour moi, je prends un risque. Si j'avais voulu la jouer safe, j'aurais dit NeOAnGeL aussi. Donc voilà. Moi aussi, je prends un risque, Anos. Tous les jours en me levant, c'est Kanye West qui a dit ça. C'est vrai? Ouais, il dit mon taf est aussi dangereux que celui des policiers ou de l'armée. Quand t'es rappeur, quand tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais il faut savoir que Kanye West a dit beaucoup de conneries dans sa vie, même si c'est un artiste que je respecte beaucoup, parce qu'il y a un de ses albums, College Dropout, que j'ai beaucoup écouté, que je trouve vraiment très stylé. Mais bon. Après, on peut être stylé et dire des conneries aussi, tu vois, c'est pas interdit. On peut faire des bonnes chansons et être stupide. T'as vraiment... Tu peux tout faire en fait, tout est carbone, de toute façon, tout est carbone, il n'y a pas de souci, on peut faire des montages. Prochain album d'Alizé, tout est carbone. Bien sûr, et big up à Philippe Stark, si tu nous regardes. Philippe, tu gères. Tu gères la fougère. Allez, c'est parti mon kiki. Respecte-toi Philippe. Ok, Downfall contre NeOAnGeL, Belcher Vestige, LE, donc ouais. Limited Edition. Ça y est, il a retenu, il a compris les trucs. Surtout, je crois pas que ce soit limité. Non, non, c'est une planète. Anos, toi, tu serais tombé dans le piège NeOAnGeL. Toi, il y aurait un papier à mouche, tu t'aurais sauté. Rien à voir. Mais c'est pas du tout limited edition. Mais ça veut dire la de. Ouais, mais dans l'idée. C'est vrai que c'était dans l'idée. T'es allé chercher Limited Edition quand même, en ayant compris le montage du Tournament Edition. On sentait quand même que ton cerveau avait fait l'effort. Et c'est pour ça que je suis rentré dedans, c'est que ça m'a fait kiffer. Eh bah, ça m'a fait plaisir de t'accueillir dans ma vanne, Anos. Il cherche pas, il travaille son flow, il bosse son putain de cast. Et on est parti. Downfall en bas à droite, en Terrantil. J'ai l'impression que c'est sa couleur fétiche, non? Downfall? Tout à l'heure, vous avez la couleur fétiche, vous? Aucune idée, je ne l'ai pas beaucoup joué en CG, donc... Mais toi, t'as une couleur? Non, sans plus. Ok. Et toi, Jason? Moi, j'aime bien orange et violet, moi. Orange et violet. Un mix des deux. C'était Jimaga qui me disait, quand il était à Paname, que lui, il... Ouais, parce que je fais des trucs avec Jimaga à Paname. C'était après Metz. On avait passé une journée ensemble, on avait fini au Melt, et on avait pas mal discuté sur StarCraft. D'ailleurs, c'était énorme, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait les mêmes types de LAN, à peu près à la même période. Quand vous étiez petit. Quand on avait le même âge, lui en Ukraine, moi, enfin, je pense beaucoup de gens, hein, de toute façon, qui font qu'on regarde StarCraft aujourd'hui, bah, c'est parce qu'on a poncé le main de LAN avec ses potos, sur Broudoir, évidemment, bien sûr, et Warcraft 3. Mais puis, moi, j'ai pas fait des LAN comme vous, et pourtant, je suis là, poulet. Ok. Bon, j'ai fait un tartare différent, mais tu fais bon lourd aussi, calme-toi. Il est vrai. Ok. Eh ben, mais voilà, chacun prend le bateau quand il peut, mec. C'est ça. Ouais, mais on la péniche, voilà. C'est ce que je disais. Péniche, et que donc, Jimaga disait, en fonction de la map, eh bien, il choisissait sa couleur. C'est-à-dire, sur typiquement une map orange, il va prendre l'orange. Sur une map comme ça, il va prendre le vert. Pour être moins vu sur la, sur la minimap. Technique d'armée, le mec. Ouais, ouais, le mec qui se camoufle. Ah, le mec à l'ukrainienne, t'inquiète. Ouais, c'est bien vu. Et parce que dans ma FPS, les joueurs font ça aussi. Hein. Et heureusement qu'il n'y a pas la couleur blanche, parce qu'avec toutes les maps sur la neige, t'imagines, t'as des points blancs. Ouais, c'est clair. Ouais, mais la majorité des gens jouent avec eux en vert et ennemis en rouge. Ouais, donc avec les couleurs. Les couleurs, c'est juste pour les specs en général. Ouais, enfin là, on peut pas vous le montrer, mais vous connaissez de toute façon. Vous vous retrouvez en vert et votre adversaire est en rouge, et c'est le petit icône qui est près de la minimap qui vous permet de faire ça, si jamais vous ne connaissiez pas. C'est donc parti, Downfall en bas à droite de la map, vous l'avez vu, Opening Reaper, mais un seul rapide réacteur derrière. On fait ça avec 2 workers au gazeur pour ceux qui se posent la question, et on rajoute le CC. Ensuite, le deuxième baraquement, on va chercher de l'aptech. C'est un BO qu'on a beaucoup vu ce soir, donc normalement, si vous voulez le reproduire, dire, vous avez eu quand même pas mal d'informations. Après, c'est tout droit vers le Medivac. Et que fait NeOAnGeL, mon ami? NeOAnGeL est parti sur une petite gate et ça va poser complexe robot très rapidement. Là, on est macro, là. Ça macro. On va ajouter deux petites gates. Peut-être. Ouais. Et face Colosse, eh ben, je pense que ça peut bien contrer les agressions early game qu'a pu proposer Downfall contre Shubs tout à l'heure. Ouais, contre Shubs. Je pense que ça peut payer du coup pour NeOAnGeL. À voir ce que va proposer, parce que là il va falloir faire du coup une transit très rapidement vers autre chose que de la bioball si ça part Colosse, quoi. Ouais, il faudrait qu'il fasse son follow-up Viking. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une gateway qui a été rajoutée par NeOAnGeL et non deux. Et pour autant, je vois pas une petite forge qui aurait pu venir, compléter. Donc, ah non, voilà. Il vient d'envoyer la deuxième gate, en fait, il a décalé. Je m'attendais en fait à avoir une forge qu'il attendait la fin du scoop pour peut-être partir vraiment macro, quoi, hein, et gratter en plus un petit plus 1 de défense rapidement et rajouter la gateway après. Mais non, NeOAnGeL qui la joue quand même, somme toute, très très standard pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, à mon avis, il va sûrement Colossus, mais il ne va pas les fast. Il va d'abord pas... Mais je pense qu'il va faire la petite technique du 3-4 ops. Qui se fait beaucoup dernièrement et que je trouve vraiment génial. Oh, on a parce qu'il scoute un maraudeur, il sent que ça vient là. Ouais, et ça, tu sais pourquoi ça vient? Parce qu'il a scouté qu'une seule gateway en cours, et donc c'est très bien joué de la part de Downfall. Par contre, petit point G, hop, évidemment, ce n'est pas celui que vous pensez, il n'a pas de... comment est-ce que ça s'appelle? Le concussif ciel. Donc c'est vraiment de la réaction. Il n'a pas de point G, cette âme n'a pas de point G. Je ne sais pas, concussif ciel. Ouais, il ne l'a pas envoyé, ça veut dire que ça, c'est en réaction de ce qu'il a scouté. Ça veut dire que ce n'était pas prévu à la base. Rassurez-vous, tout le monde a un point G. Hein. Ouais. Crois, hein. Par contre, pour le trouver, il n'y a pas de livre. Il faut juste le trouver, c'est là tout le jeu. C'est comme le diamant. C'est ça. C'est ça. Comme disait Anos, un fameux caster, touchez-vous. C'est le mec qui se dédouane direct quand il avance. Ouais, je l'ai déjà dit ça dans mes lives. Non, mais bon, tu le dis, mais... calmons-nous. Mais évidemment, touchez-vous, touchez-vous, c'est gratuit. C'est ça, et ça fait... Mais hé, voilà, tu me suis. Mais c'est magnifique. Je te follow, non, mec, je fais partie de la... Tu dis, Ardest, vous avez raté quelque chose, c'est que NeOAnGeL avait posé Batacolos et il a été scan, il a cancel. Ah, merci Ardos de nous. C'est vrai qu'on est bien dans le délire ce soir. Hein. Merci Ardos, parce que ça c'est très important. Le Batacolos qui est cancel ici. Et ça, si donc Downfall qui a l'info qu'en fait c'est... Downfall qui pense que c'est Colosse là. Hein. Qui pense, alors que ça va être Templar, ça va être High Templar et ouais. Downfall qui reste sur de la full bioball. Joli force field ici quand même de la part de NeOAnGeL et le canon overcharge qui est finalement dépensé. Heureusement ici ça a tanké et Downfall peut-il continuer le push? Je sais pas, là il va se prendre clairement comme on disait tout à l'heure, la technique du croco. T'arrives en te disant c'est bon, je suis chaud, et là PAM, Storm, fini, GG. Mais là il a fait une grosseur NeOAnGeL quand même, parce qu'il a niqué énormément d'énergie, hein. Toutes ses scènes créées sont vides, il a niqué une overcharge pour au final il a dû gratter un marine et c'est pas rentable du tout. Le 2 Medivac là, qui sont en train d'arriver sur la B1. Et regardez, il a envoyé l'overcharge carrément préventif sur la B2. Et redépense son énergie, effectivement. C'est scouté par le Lobs directement. Ah non, non, c'était l'overcharge qui se terminait. Je viens de dire une bêtise, donc je rectifie, l'overcharge se terminait. Hop là, et par contre, le double Medivac qui vient de se prendre un petit répercussion. Le Storm qui a envoyé le plus 1 de défense, forcément, pour les îlotes. Et c'est parti, on a les deux Medivac ici qui vont se vider. C'est intéressant. Acheter ici qui prend des obus. Pourtant, il y a un Nimo qui garde touché avec toute la famille. Il a resté longtemps, ce maraudeur. Hein. Clairement, il le voulait, son H-Templar. Mais non, finalement, il boite. Il n'a plus vraiment de membres. Mais il y a encore la tête du High-Templar qui flotte comme ça et qui peut lancer des storms. Donc, ça reste une menace. C'est ça, c'est comme Sauron, tant que l'esprit est là, mon gars, fais gaffe, ça reste violent. Il va te détruire l'anneau. Ouais. On est parti en mode... Oh, les choses se sont du pu dans la main de NeOAnGeL. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Allez, deux marines qui sont sacrifiés. Ouais, mais ça va parce qu'il a rien perdu là, Downfall. Il a pas trop perdu. Ouais. Et... dis-moi un petit Roland de ch'ti. Hein? Un petit Roland de ch'ti sur cette phrase. C'était marrant, ça. Non, non, il a pas trop perdu. Après, il a plus d'énergie sur les Medivac. Ouais. Donc, quand même, problème. Un Anos pour les gouverner tous. Très bien. Par rapport à la bonne soirée. Ouais, j'ai compris. Bon, je me suis refait la trilogie aussi, donc forcément. Tu te l'es refait, je suis chaud, là. J'ai tout capté, là. plus les petits clins d'œil et tout, là je suis photon overcharge mon gars, tu peux rien faire. Attention. Je suis prêt à voir la suite. C'est ça. Attention parce que du coup heureusement que Marine que Downfall qui pouvait avec percussion là quand même, c'était dangereux. Et hein, heureusement que Downfall a posé sa troisième base quand même parce que sur toute cette agression quand même, il a pas infligé masse de dégâts. Et... on reste sur une petite compo. Et d'ailleurs pour retourner dans la game, c'est en ça que c'est intelligent parce que là il est en train de faire tout ce qu'on pensait avec Jason, c'est-à-dire qu'il évite le coup du croco. Là, il a fait croire qu'il allait s'empaler comme un double à courir partout, alors qu'au final, il n'a jamais réellement voulu faire une grosse attaque maintenant, parce que quand on veut faire une grosse attaque maintenant, on fait double drop dans B1 et on fait un rally point devant la B2 et voilà, avec le drop, on essaye de faire le plus de boucan possible pour bourrer la B2. C'est pas du tout le plan de jeu là de Downfall, on le voit bien. Depuis le début, il n'y a même rien à la Xel'Naga B2. Au contraire, il a fait face B3, il a essayé de prendre un avantage technologique en feintant la pression. Donc pour le moment, c'est vraiment pas mal ce que fait Downfall. La question, c'est maintenant, tu vas la tenir ta B3 ou tu vas donner ta B3 pour pouvoir contenir ce push. Et ça tombe bien, la pub vient de passer, l'épisode il est là mon gars. On a pas mal de pop quand même chez Downfall, on a masse de pop, on a de quoi tanker les storms, en tout cas quelques-unes. La B3 qui est levée de la part du joueur Terran, ici on va essayer de récupérer, attention. Oui. Ah, Downfall qui trouve la boîte aux œufs en chocolat. 3 high Templars qui sont donnés gratuitement. Attention, un premier dodge, un deuxième. Oh là, il a pas du tout dodge ici. Il a pris, il a foncé dans le taser. Et c'est bien mangé toute la storm sur la B3. Pas mal de zilotes gratuits là par contre qui pourraient être chopés au niveau de la B3 qui vient d'être reproduit. Et non, qui était là pour le CC. Pour la rigolade. Oh, c'est fini la fête. Sur l'état, n'en peut plus. Ah, bon, bah et du coup, l'armée qui se recentre. Ouais, mais tu vois, là, c'est dommage. Il est en clic droit Downfall en bas de la map et du coup, il récupère pas voilà, son armée qui se heal pas. Attention à ces petits détails. Et du côté de chez NeOAnGeL, on est 143 de pop. On a le Batacolos aussi qui vient d'être envoyé. Ça continue sur de Limo. On a le Charge Lot aussi qui arrive. Au niveau de l'armée, avantage Downfall. NeOAnGeL qui est légèrement derrière. Et double front ici pour le joueur Terran. Le joueur turquoise. Oh, joli le dodge ici. La micro-gestion de Downfall qui est pas mal pour l'instant. Attention ici, l'armée qui ne tape pas. Il faut finir. Et là, il peut faire mal le Downfall. Là, si, il rate pas. Ça concave. Regarde-moi, ça commence, ça arrive par en haut. En bas, on a une armée qui essaie de choper aussi un peu les achetés. Le attention au force ici. Oh, gros storm sur l'armée de Downfall. Downfall qui perd petit à petit pas mal de marines. Encore un joli storm de la part de NeOAnGeL. Le sniping qui est effectué. Et allez, mais là, faut se timer, là, faut aller gratter la fin de cette armée, bordel. Là, ça fait deux fois, là, quand tout à l'heure, il s'est passé 6 autres. Bon, j'ai rien dit, mais là, quand même, hein, c'est du 500, 600 de minerais gratuits. Faut vraiment pas hésiter, il a beaucoup de Medivac au-dessus. Il y a de l'énergie dans les Medivac. Donc voilà, le Steam est gratuit, on va pas s'en cacher. Faut y aller, la B3 ici qui est en train de se faire bourrer, Downfall qui est en train de dire attention, je suis là. Et pour le moment, ça gère bien d'une main de maître, une petite micro-gestion pour garder une belle concave. Et NeOAnGeL qui bat. Et pour le moment, Downfall qui fait le taf, Downfall. Bien sûr, je suis le crocodile d'Andy, mon gars. Bien sûr. Crocodile d'Andy. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher loin. Crocodile d'Andy qui est en train de clairement de désosser le vieux l'écailleux NeOAnGeL. Ben, ça fait plaisir que tu kiffes. En plus, Anos a récupéré un appart, donc... et à le studio, donc ça aussi, que ça m'a déstressé un truc de dingue. GG, c'est pour ça que je suis aussi... Hashtag Wallet pour le studio d'Anos, parce que du coup, il va pouvoir commencer à envoyer du fat. Non pas que tu n'envoyais plus de bois. Non, mais bon, j'avais dû freiner grave mon travail, aussi bien sur les VOD et tout. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça là maintenant, mais c'est vrai que... Non, t'inquiète, ça m'envoyait du gros fat, du gros poulet. C'est la bonne journée, c'est la bonne semaine. 3 kilos, Colosse. Fini, la bonne semaine. Colosse pour NeOAnGeL qui essaye de tanker. Au niveau de l'armée, on est bien, Anos. On est génial. On est bien. Et l'usine... l'usine de Downfall qui vient de tomber, Anos. Qu'est-ce que tu vas dire sans ça? Les colosses qui sont en train de s'additionner. Désolé, mec, je peux pas tout le temps le tanker. Et là... Et NeOAnGeL qui repart à l'attaque, mon poulet. Downfall. Qui se prépare. Là, il n'a pas la bonne position, hein, donc il ne peut pas prendre la prise de fight. Thermite, comment s'appelle l'Ugrade des Protoss? La Thermolance, voilà, putain, ça fait deux. Okay. La Thermolance qui est bientôt finie, Anos. Donc, ça, clairement, ça va picoter au niveau de la bioball. Et les maraudeurs vont commencer à prendre super cher la tentative de double front ici. Downfall qui envoie le bois, qui est prêt pour le multitask, le storm qui accueille quand même. Hein, c'est bien joué là parce que Il a fait choper le deuxième colossus sonore. Mais NeOAnGeL qui se repositionne. Il a fait peur, il a fait back NeOAnGeL. Il aurait pu choper beaucoup plus de VCS pour l'instant. Mais là, Downfall, il est bien poulet. Parce que là, s'il perd pas sa B3, là, NeOAnGeL vient de perdre sa B3. Si Downfall tient sa B3, ça veut dire qu'il garde son écho, même si évidemment, dans l'interstice, on va dire NeOAnGeL est en train de faire la même chose. Mais pendant tout ce temps, ben, il n'a pas l'écho à 2000, lui, il a l'écho à 1200. Donc là, vraiment, Downfall, il est en train de super bien jouer. Le follow-up des Ghosts qui est là, il a eu la bonne talent d'anticipation d'aller tout de suite couvrir la B3 parce qu'il se doutait que NeOAnGeL aurait même limite pu faire un all-in là-dessus, hein, en se disant, de toute façon, je ne vais jamais revenir à l'écho. Donc autant y aller, tout bourriner et tout arrêter. C'est pas le choix qu'a fait NeOAnGeL. Et regarde la petite troupette, en plus, là, qui arrive à droite. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, Herbert le Marines, mon gars, ça a déjà tué des Nexus tout seul. Et ouais, ça pourrait être un Herbert. Clairement, ça peut aussi ne pas l'être. Les Herbert. Oh, attention, les Milivacs peuvent être répercutés. Les Vikings qui sont là, qui sont présents. Hein. La prise de fight qui est pas mal pour le joueur terrain. Joli concave. Va-t-il monter? Va-t-il descendre? On ne sait pas. Il n'y a que deux colosses, ça se mange un colosse seul. Il n'y a plus que du Zilat et il y a une MP qui a tapé. Plus de mana sur les High Templars de NeOAnGeL. NeOAnGeL qui ne peut plus stormer, qui est forcé de back, qui n'a plus d'armée, qui doit s'incliner sur ce move. Downfall qui fait le café, Anos. Ouais. Oh yeah. C'est très bien joué. Attention, les îlotes ici qui arrivent, mais Downfall qui est très bien passé. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de possibilité vraiment de le circle. Donc il prend en frontal, il a des ghosts, et les ghosts, ça fait très mal sur le léger. Surtout quand on a le plus 3 d'attaque qui est terminé. Donc là, il est bien. Et le GG. Ce joueur est très solide. Est-ce qu'on pourrait m'apporter du papier, du sopalin sur le plateau, si c'est possible? Est-ce qu'on pourrait apporter du papier sopalin? Ah là là. Je vous expliquerai après l'émission ce qui s'est passé. D'accord, je viens à dire aussi, désolé, à un moment, j'ai eu un petit fou rire, mais c'est parce que, voilà, je vous expliquerai plus tard. Du coup, très bien joué. Dans la rigolade. 1-0 pour Downfall, énorme, qui s'en sort très bien. Mes amis, j'ai pas fait gaffe à ce qui s'est passé, mais ça devait être dégueulasse. Ouais. Et donc Downfall 1-0, mec. C'est ça. Énorme. Énorme Downfallerie. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant d'un autre côté. Mais désolé, parce que du coup, ça m'a un peu fait perdre le fil de la game, ce qui n'était pas très pro, vu que c'est quand même une finale et que les deux joueurs sont en train de jouer très sérieusement. Ils ont bien vu le skill. Ils ont bien vu ce qui s'est passé au niveau de la gestion de Downfall, et c'était magistral quand même. C'est clair, très bien joué, parce que pour revenir un peu sur ce que... il est très bon en défense, il est très bon pour recevoir et compagnie, mais du coup, c'est très lisible. Parce que, tu sais, on sait très bien qu'il va pas te faire un forgate, qu'il va... Bon, faut faire gaffe au Proximo, parce que ça, il sait le faire. Il sait aussi varier son jeu, mais c'est vrai que voilà, tu sais que c'est pas un jeu où forcément tu vas stresser sur l'oracle ou des trucs comme ça. Non, il fait des openings plutôt macro, quoi qu'il se passe. Et c'est vrai qu'il a bien joué là-dessus, parce qu'il a feinté, il a fait comme si il était un joueur terrain qui avait voulu plutôt, dès 9 minutes 30, 10 minutes, bourriner à fond, avec un flux tendu derrière de production Marine Maraudeur, à vouloir écraser. Et ça, c'est une erreur contre NeOAnGeL. Il a fait croire qu'il faisait ça, alors qu'en fait, non. Il dropait juste, il mettait du rythme pour aussi éviter que NeOAnGeL se dise « Ah, bah, il n'y a rien, donc bah, je fasse B3. » Et donc, non, il l'a tenu juste ce qu'il faut pour derrière prendre face B3. Il a eu 1800 d'écho quand lui tournait à 1002. NeOAnGeL s'en est rendu compte, mais quand même un peu tard. Il a fait sa sortie, il a réussi à tenir. C'est un peu comme un joueur Zerg qui part triple H contre Protoss et qui, au début, voilà, t'es écho, puis après, tu dois tenir. Donc, c'est très bien joué. Je trouve ce qu'a fait Downfall, et c'est une très bonne lecture aussi de NeOAnGeL et de son gameplay. Donc, gros GG. En plus, je crois en toi, mec. Donc, voilà, je suis content, tu vois. Clairement, il y a du... Forcément, pour mon ego, je me dis « Ah, j'avais raison !» Il y a du... Mais surtout, on a parié sur lui. Voilà, donc c'est cool. La pièce qui a été posée. Merci, Downfall. Il n'a pas encore gagné. NeOAnGeL, encore une fois, voilà.